Oh gros, c'est l'heure du test de crame tout. Eh ouais papa, tu le sais, on pousse le blue et on crame tout. Clique, clique. Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur la Nami Climat Max. Je vous l'avais déjà présenté à l'époque, mais j'avais pas eu la Max dans les mains. Donc là aujourd'hui c'est la Max. Et tout d'abord pour commencer, un énorme merci à e-ride.fr, à e-ride pour l'envoi de cette Nami. Bien évidemment, e-ride est l'importateur exclusif de Nami, c'est Nami France d'ailleurs. Et là, c'est pour ça que je vous fais aussi la vidéo, ils ont ouvert un nouveau site donc français. Je vous mettrai le lien en bas dans la description de la vidéo, c'est toujours, c'est ma... de toute façon c'est www.e-ride.fr ou www.e-ride.fr et ils ont enfin ouvert leur site aux particuliers. Donc là-dessus, vous allez retrouver tout ce qui concerne Nami, les pièces détachées, les références, si tu veux, moteur, contrôleur, etc., etc. Enfin, ils vont vendre aussi aux particuliers pour tous ceux qui ont un petit souci ou qui souhaitent upgrader. D'ailleurs, vous allez voir sur la Climat ce qui se passe aussi. Sachant que déjà, là, c'est un petit upgrade de la première Climat que j'avais parce qu'ils ont mis le compteur bien plus lisible, bien plus éclairé et plus joli aussi, je trouve, que l'ancien, que le tout premier compteur. J'adore les compteurs comme ça de chez Nami. Déjà qu'ils étaient pas mal à l'époque, là maintenant ils sont vraiment visibles, beaux. Là il y a le plastique et tout, tu le vois trop bien même en plein soleil. Enfin bref, il m'a envoyé la trotte justement pour que je refasse un petit test dessus. Après, les stats on les connaît, mais je vais les répéter un peu vite fait. Et pour aussi vous dire qu'ils avaient enfin ouvert leur site aux particuliers. Et de surcroît, ils ont mis en place un code CRAMETOUT, si tu veux, pour les 15 premiers acheteurs de Stellar, de Nami Climat, de ce que tu veux. Les 15 premiers, ils auront droit à un code, donc CRAMETOUT 10, c'est-à-dire 10%. Voilà, valable uniquement pour les 15 premiers, sachant que la machine, celle-ci, fait 2 990 €, donc 3 000 € en fait. Donc c'est pas négligeable, 10% ça fait quand même 300 balles. C'est ce qui est quand même énorme sur une trotte. Voilà l'équipe, tout simplement. Il y a aussi la Nami Stellar que je viens de vous présenter dans la vidéo juste avant, où justement elle est aussi disponible en précommande chez e-ride. Ils ont aussi le paiement plusieurs fois, donc ça aussi ça peut aider. Tu vois, une petite remise de 300 €, plus tu payes en 4 fois sans frais ou un truc comme ça, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir, ça aide et c'est cool. Ils ont les pièces aussi et tout ce qui est marque Kabou, Itou, etc., etc., ça aussi. Mais bon, nous on est plus là pour Nami parce qu'on kiffe la marque Nami, et vous le savez l'équipe. Mais voilà, donc quand même un grand merci à e-ride pour l'envoi de cette trotte. Et franchement, ça fait vraiment plaisir qu'ils aient ouvert enfin leur site aux particuliers. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que les pros qui pouvaient commander les pièces, les scies, les nids. Tu vois, tu étais obligé d'aller au magasin. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Et le fait que tu puisses aussi payer directement sur le site, etc. Voilà l'équipe. En fait, ils m'ont renvoyé cette Nami, la Climat Max, le haut de gamme de la Climat. Déjà parce que c'est le best-seller de chez eux. Je crois que c'est la trotte la plus vendue de chez Nami, tout simplement. Il y a Funtrot qui a réalisé aussi, en collaboration avec Nami, une Climat Sunset, elle s'appelle, qui est justement disponible en photo sur leur site et tout. Franchement, Funtrot, ils se sont gavés, comme d'habitude, hein, c'est la famille Funtrot. Ils ont fait un sacré truc aussi. Et ils ont fait une petite nouveauté, vous allez voir, vous serez au courant plus tard. Pour l'instant, j'ai pas le droit d'en parler, mais
Franchement, Funtrot, il se gave en ce moment. D'ailleurs, le bonjour à Funtrot, t'es bébé. Tiens, le bonjour à Mika. Tu le sais, tu régales. L'équipe, ben, on passe vite fait au stats, même si on les connaît. Je les rappelle vite fait et après, on va se tester de suite la machine. Donc, c'est une 60 volts, 30 ampères, 1740 watt-heure la batterie. Elle est donnée pour une vitesse de pointe de 80 km/h sur chemin privé, bien évidemment. Hein. En plus de ça, vous savez que NAMI sont avec l'UTAC. L'UTAC, c'est un centre technique qui effectue des tests, c'est-à-dire des tests de freinage, des tests de vitesse, des tests de je sais pas moi, tenue de route, autonomie, etc., etc. C'est un centre de tests techniques agréé et tout. Donc, qui a été validé par l'UTAC. Je vous dis les stats. Ils ont validé de 0 à 25 km heure en 1 seconde 6. Pour te dire comme les moteurs et les contrôleurs, enfin, déjà les contrôleurs, c'est du 2 fois 40 ampères. Sur une petite trotte comme ça de 36 kg, franchement, ça marche bien, ça marche très bien. Ils ont testé l'étanchéité IP65 des contrôleurs. Carrément, il y a les contrôleurs étanches IP65, pour vous dire. Validé par l'UTAC. C'est quand même incroyable quand tu vois qu'un 0,25 en 1 seconde 6. C'est quand même, tu vois ce que je te dis. Elle est bien évidemment bridée pour rouler tous les jours avec. Ils ont fait, bon, ça après, validé aussi par l'UTAC, un test sur la max de 120 km d'autonomie de 100% à 0% jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Attention, toujours pareil, à 25 km/h. Sur un circuit ultra plat avec du bon goudron, du bon ci, du bon mi. On sait très bien qu'on ne fera jamais, même sans borne, tu les feras jamais, gros. Hein? En conditions réelles, montée, bosse, trou, etc., etc. Mais bon, pour te dire quand même l'autonomie qui a été validée par l'UTAC, c'est quand même incroyable. Ensuite, donc on a moteur de chez NAMI qu'on connaît tous, 2 fois 1000 watts. Contrôleur sinusoidal, 2 fois 40 ampères. Pneu tubeless, pareil, ça aussi, pneu tubeless 10 pouces, extra large, en 3 pouces de large. Franchement, c'est des beaux petits bébés. La trotte, par rapport aux caractéristiques, la puissance, etc., etc., 36 kg, c'est plus que raisonnable, tu m'excuseras, mais c'est le poids d'un fat bike. Hein. Les 36 kg, c'est les premiers fat bikes que j'ai eu, ils faisaient 36 kg. Donc, et c'est un fat bike qui est très loin de marcher comme une trotte, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut prendre en considération l'autonomie, la puissance de la batterie, tu vois, qui fait du poids. Voilà, monomoteur, bimoteur, ça fait toujours du poids à rajouter. Et franchement, moi, je trouve que elle a un petit gabarit correct, cette trotte. J'adore. Châssis tubulaire, toujours pareil, de chez NAMI. On adore aussi, moi je kiffe. Ils ont toujours fait du méchant travail, NAMI. Moi, j'ai toujours kiffé cette marque. Pour moi, je vous dis, c'est la pyramide. Tu vois ce que je veux dire? Alors, NAMI, Dualtron, Temerun, c'est vraiment les trottes du moment. Bon, NAMI, ça fait bien plus longtemps, parce que Temerun rentre un peu sur le marché. Mais je veux dire, c'est les trottes du moment. C'est vraiment les trottes les plus vendues. Et NAMI, on adore pour sa, franchement, pour sa fiabilité au niveau des moteurs, des contrôleurs. L'étanchéité aussi, tu vois. Dualtron, on adore parce que depuis le début, ils sont là, c'est eux les pionniers depuis le début, en fait, tu vois. C'est pour ça qu'on kiffe la marque et tout. Même si elles ont toutes leurs défauts et leurs qualités, hein, bien évidemment, ça c'est sûr. Hein. Mais voilà, c'était une petite aparté. Donc, nouveau compteur. En plus, sur le site D-Ride, c'est-à-dire de NAMI France, en fait, hein, c'est NAMI France en vrai. Ils ont, vous savez, comme quand je vous ai présenté la Stellar, il y avait les nouveaux clignotants LED qui font office de veilleuse et le système NFC. Et ben, même ça, tu vas pouvoir commander soit que le système NFC pour la upgrader, en fait, comme les derniers modèles. Tu vas avoir soit le système NFC, soit les deux, ou soit que les veilleuses avec les clignotants. Ça, c'est à toi de choisir, mais même ça, ils vont le faire en kit upgrade dans les pièces détachées ou sur le site, vous regardez, de toute façon ça y est. Et ça, c'est cool aussi parce que tu vas pouvoir te permettre de la upgrader comme les tout derniers modèles, la Stellar qui vient de sortir. Voilà l'équipe. Suspension réglable, ça j'adore aussi. Toujours les mêmes avec la petite molette, réglable sur 15 positions je crois. Toujours les top blocs
de protection des bras, du châssis, c'est excellent. C'est vraiment, Nami, c'est les Batmobiles. Moi, j'appelle ça les Batmobiles. Ça régale. Châssis tubulaire, noir mat, comme on aime. Franchement, comme on aime. On retrouve le marche-pied, toujours le même gâchette type quad, par contre. Klaxon, toujours un klaxon de fou, toujours le phare du Suron de fou. Voilà, après, il n'y a rien qu'à changer. Mais ça reste une excellente trotte, et c'est pour ça que, aussi, j'ai demandé la Climamax, parce qu'ils voulaient que je présente une Nami, et surtout leur site. Mais parce que la Climamax, je ne l'avais pas eu dans les mains, je n'avais pas pu bien la tester. Ils m'avaient envoyé à l'époque la Blast Max, qui d'ailleurs était une tuerie, mais que c'est juste le design que j'aimais pas trop, la fourche inversée, mais c'est une vraie tuerie, mais qui est quand même plus imposante, plus lourde, plus voilà, qui fait quand même plus mastoc. Là, ça fait plus trotte, petite trotte mi-transportable, tu sais pas trop où la situer, pourtant c'est... Avant la Stellar, c'était la plus petite, la Climamax de la série Nami. Voilà l'équipe, je pense avoir tout dit sur les stats, sur le site et tout ce qui s'ensuit. Comme d'habitude, vous savez, vous avez droit au code CRAMTOO pour les 15 premiers uniquement, attention. Après, il sera obligé de remettre les prix normal. Et franchement, je crois vous avoir tout dit, gros. Je pense que vous êtes autant pressé que moi de voir vite fait la... en condition réelle, ce qu'elle vaut, le ressenti, etc. Comme d'habitude, je la descends, je la teste et on se fait un petit débrief. Allez, c'est parti. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas de surprise hein, chez Nami, gros, tu le sais, hein, gros. Voilà, tu montes, c'est un nuage. Oh, bon, bah, c'est même plus un nuage, c'est affolant, gros, c'est affolant. Qu'est-ce que c'est, gros? Les freins Logan, comme d'habitude, tu veux voir un peu? Ah bah la gâchette est hyper réactive par contre. Wouah, se lève. Ah, tu sais quoi, tu pars en arrière, gros. Tu pars en arrière, limite, elle se lève, gros. Bon. Ah, tu le sens que ça va être un régal encore. Hein. Tu le sens que ça va être un sans-faute. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, gros? Tu le vois de suite. Tu le vois de suite. Je mets les caméras, on y va. Ah ouais, tu le vois de suite. Hein. Bon. Voilà, là, le monstre. Oh, puis ce freinage, gros. Voilà, arrache tout, gros. Ah, tu m'étonnes qu'elle fait le 0,25 en 1 seconde 6, gros. J'étais déjà à 60, gros, là. Oh, incroyable, gros. En 2-2 à 60. Bon, allez, l'équipe, on part à bord du petit vaisseau. On va se faire d'entrée vitesse de pointe sur le chemin fermé. Oh là là. Franchement, ça part bien. Ça part très très bien. Je suis déjà à 60 dans la montée. Mais. C'est incroyable. Oh, la reprise, c'est ça moi qui me plaît. C'est la reprise aussi. C'est excellent. Hein. On se prend la montée directe. Et ces freins Logan, ils freinent super bien aussi. Alors, j'ai pas le mode turbo, mais c'est pas grave. Je sais plus comment on le met, je veux dire, je l'ai, mais je sais plus comment on le met. Mais bon, de toute façon, elle est donnée pour 80 km/h maxi. Ce qui est déjà énorme pour une petite trotte. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Main, mon copain. Ouais, ben, tu penses bien qu'en bimoteur, je suis déjà à 45, gros. Ça arrache 52, gros. Ah, c'est un monstre, hein. 55 dans la montée, gros. Et là, c'est parti, 60, boum, boum, 61, moi, 62, 63, ouais, tu vois, elle marche à 60 sans le mode turbo, donc tu dois faire un 70, 75, tu vois, avec le turbo enclenché. Oh, le confort, gros, frérot, tellement c'est même trop souple. Oh, le confort de psychopathe, je vais resserrer parce que c'est trop confort, là, pour moi. C'est comme c'est la bombe, ça, pas que tu puisses le régler comme ça, avec les molettes. C'est... Ah, c'est une dinguerie, cette trotte. C'est une dinguerie, on peut dire ce qu'on veut. Voilà, on aime. Moi, vous le savez, hein, je kiffe Nami, j'ai toujours kiffé. Ils font vraiment des bons modèles. Hein. Michael Chat, pour ça, il est très très fort. Il est vraiment très fort.
Regarde, tu m'étonnes que l'UTAC, ils ont approuvé le freinage et tout. Elle freine en 2-2, la frotte. C'est tout d'origine, là. Il n'y a pas de Magura, il n'y a pas d'upgrade, rien. Très stable, hein. Là, franchement, il n'y a rien à dire aussi au niveau de la stabilité, hein, l'équipe. Oh là là, suspension. C'est ça le plaisir, tu vois. Le plaisir du confort, du silence, la patate qu'il faut, le couple qu'il faut, gros. Tout dans, tu vois, tout est silencieux. Même, comment t'expliquer, la colonne hyper rigide, il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de grincement. C'est Nami, quoi, c'est Nami. Oh là 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 là, même quand tu sautes, ça fait pas de bruit, gros. C'est un truc de fou. Ah, moi j'adore. Oh là là, ce que ça arrache en off-road aussi. Tu vois, ça par contre, tu peux faire du off-road, tu vois, pas comme la... pas comme la Stellar. Et d'ailleurs, je voulais le préciser, ça, j'ai carrément oublié. De tout ce que je vous ai dit, vous voyez comme c'est incroyable, je vous ai dit, connaissant Nami, ils vont faire un upgrade de la Stellar. Et comme par hasard, j'ai discuté avec Cédric, il m'a dit exactement... Il m'a dit, oh, tous les défauts que tu as dit, on a oublié d'en parler, c'est les défauts qu'on va rectifier au plus vite. C'est-à-dire que finalement, ils vont changer le système d'amorti. Je pense qu'ils vont mettre le même système que sur celle-là, au final. Tous les défauts que j'ai relevés, il m'a dit, comme par hasard, c'est les défauts sur lesquels on travaille et qui vont être apportés à la nouvelle version quand elle sortira. Donc, RAS, gros. Mais bon, c'est là où tu vois que ces suspensions-là, en tout cas, n'ont rien à voir avec celles que j'ai eues sur la Stellar. Ça n'a rien à voir. Là, tu es à l'aise, même en off-road. Tu arraches tout, tu te tiens. Tu es à l'aise, gros. Tranquille. Ah, c'est la bombe. Franchement, c'est la bombe. C'est très caillasseux, en plus, chez nous. Mais... Ah ouais, c'est la régalade. C'est vraiment la régalade. Hein. C'est... Voilà, je retrouve... C'est une genre de Blast, en fait. Hein. C'est... Tu as presque le confort de la Blast, parce que c'est ça, la différence entre celle-ci et la Blast. C'est la Blast, elle était encore plus... Tu sais, avec sa suspension inversée, c'est vrai qu'elle a un confort inégalé. Même quand tu freines, elle s'écrase. Tu vois la trotte, elle s'écrase. C'est pas... Tu n'as pas trop la transition de partir en avant. C'était vraiment ça, son point fort à la Blast. Mais par contre... qui a un esthétisme, on dirait qu'elle a été montée à l'envers, tu vois. Après, tu t'en fous, c'est sûr que c'est prioritisé, je veux dire, le confort et l'efficacité que la beauté. Mais c'est vrai qu'au niveau de la beauté, bah, c'était... Enfin, il y en a que ça dérangeait pas du tout, et moi, ça me dérangeait un peu. J'avais l'impression que l'avant, il était monté à l'envers, bon. Mais par contre, très très efficace, c'est vrai. Et là, tu vois, ça me fait plaisir de remonter là-dessus, parce que c'est une trotte normale qui a un confort absolu. C'est ça qui est dingue. Légèrement moins, on va dire, que la Blast. Mais je veux dire, dans une trottinette normale, elle a un confort absolu, un silence, des vrais moteurs, une vraie accélération, toujours pareil, très progressive, mais très coupleux. Et c'est ça qu'on attend d'une trotte, tu vois. C'est ça qui fait plaisir. Quand même relativement compact, tu vois, c'est sûr, rien à voir avec la Stellar, mais relativement compact, compact quand même. Et ça fait plaisir, gros, ça fait plaisir. Tu as une trotte encore à tout faire dans une petite gamme de chez Nami. C'est pour ça que c'est un best-seller, de toute façon. C'est pour ça que, comme m'a dit Cédric, c'est le best-seller de Nami, de chez Nami. Pour l'instant, la Climat, depuis qu'elle est sortie, c'est le best-seller. Une petite trotte bonne à tout faire qui arrache en plus, qui crame tout. Excellent, franchement excellent. Non mais après voilà, ça sert à rien de... C'est simple, c'est une trotte où tu as de l'autonomie, où tu as de la patate, qui reste dans un poids relativement transportable vite fait, 36 kg, qui rentre dans une voiture. Tu vois, elle coche plein de cases, en fait, cette trotte. Elle coche plein de cases. Elle est bonne à tout faire. Là, tu n'as pas de voix qui tremble, tu n'as pas de ci, tu n'as pas de là. Voilà, c'est la bombe. C'est la bombe, c'est tout. Il n'y a rien à dire sur la trotte. On va monter là-bas, tu vas voir. Je vais te mener. Là, 60 volts, 30 ampères.
tu vas bien faire tes 40 bornes. Franchement, tu vas facile faire tes 40 bornes. Moi, je parle en roulant fort sur chemin privé, en faisant des, tu vois, des, du off-road, des trucs comme on aime, quoi. Comme, c'est, comme une utilisation d'un cross, quoi, je voulais te dire, voilà. Je voudrais te dire, pas rouler en ville à 25. Oui, c'est sûr que à 25, rouler en ville sur du plat, sur un goudron comme ça, pour peu que tu sois souvent dans de la descente, oui, c'est sûr que tant tu vas faire 100 bornes ou 80 bornes, tu vois. Mais l'utilisation, moi, que j'en ai, et que pas mal de personnes aussi ont, qui veulent faire du mix, des fois des rides avec les amis et tout, déjà, quand tu commences à taper dans du 40-50 bornes, crois-moi que c'est une trotte qui a de l'autonomie. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu envoies dans les chemins comme ça, off-road, démonté et tout, ça consomme un max. Donc, voilà. Faire du... C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle climat max, tu vois. C'est que tu as de l'autonomie même en faisant bordel. Et regarde, c'est des trottes, mais comme c'est stable, tu n'as même pas besoin d'amortisseur de direction. Ou... Sur ces machines-là, jusqu'à 70-80, tu peux y aller les yeux fermés. Les yeux fermés. Même si tu as une position pas terrible, tu as quand même... parce que le trois quarts du temps, c'est ça qui crée un louvoiement à la trotte. C'est souvent aussi la position. Mais elle est quand même tolérante, cette trotte. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, puis ce silence, non. Il n'y a que les cigales qui me cassent les couilles, gros. Ce freinage, ah, c'est la bombe. Mais comme tu arraches tout, gros. Là, il n'y a pas de voix qui tremble, le bébé. Bouap. Je t'ai dit, tu peux tout faire avec cette trotte, gros. Tu peux tout faire. Et puis ça, le fait que tu vas pouvoir la upgrader, mettre les... ça aussi, ça tue. Le système NFC. Oh, t'entends la suspension comme elle travaille. T'entends? C'est incroyable. Le fait que tu vas pouvoir la upgrader aussi comme les derniers modèles, que tu puisses le mettre le kit clignotant, système NFC et tout, c'est la bombe ça aussi, frère. Même ça, c'est la bombe. Et tu as vu que là, tu vois que la différence, ça n'a rien à voir avec les amortisseurs de la Stellar que j'ai testé. Tu as vu là, c'était pratiquement impraticable là. Là, regarde, tranquillou, hein, sans me forcer. Tu arraches tout hein, ça. Ouais. Et franchement, pour une trotte, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Après, c'est sûr, si tu es un mec qui fait que du circuit, ça vise pas le circuit, ça, c'est pas fait pour ça, tu vois. C'est pour une utilisation tout type de tous les jours. Après, c'est sûr, si tu recherches que la vitesse de pointe, la patate, oui, il faut pas acheter ça, alors. Tu prends une Bernie 3, tout ce qui est Thunder, machin comme ça, tu vois, des monstres. Mais, et encore que même les Thunder et les Nami, les Modifi et tout, hein, sur circuit, c'est encore autre chose. Hein. Mais bon, voilà, très peu de gens déjà font du circuit, utilisent ça sur circuit. Il y en a très très peu, faut pas croire. Hein. Ils doivent être quoi, une vingtaine ou une trentaine, quoi. Tu as cru que c'était quoi, le MotoGP? Il y a des gains. Hein. Donc au final, c'est là où ils sont malins, c'est qu'ils visent les utilisateurs de tous les jours, mais qui veulent se faire des kiffs, qui recherchent un truc sérieux, quoi, un truc qui tient la route. Eh ben c'est ça. C'est là sur la climat, je comprends que c'est le best-seller de la gamme Nami. C'est incroyable. Elle est incroyable, cette trotte. Ils ont pensé à tous les top blocs, les machins. Ah, c'est vraiment une excellente trotte. Hein. Vraiment, vraiment. Voilà l'équipe. Après, j'ai rien à rajouter, hein, regarde. Ah, c'est sûr, gros, à 25. Bon, voilà, tu roules comme ça, gros. Pendant 20 ans, je peux rouler comme ça. Ah, c'est sûr, gros. Et encore que là, il y a de la montée. Voilà l'équipe, vous savez quoi, modèle, excellent modèle, faut dire ce qui est, excellent modèle, j'ai rien à rajouter dessus en fait, j'ai rien à rajouter dessus, c'est une trotte que j'adore, qui est capable de tout faire, qui a un châssis tubulaire, c'est la bombe, c'est tout, ouais. Ça sert à rien que j'aille rouler en ville, en machin, c'est... puis moi c'est plus dans les trucs comme ça, mon domaine, je me fais beaucoup plus plaisir, dans des trucs comme ça, où je m'amuse, où je pars faire une virée, tu vois, que de rouler en ville à 25, ça ne m'intéresse pas. Oui, tu as du monde, tu as du paysage, c'est rigolo. Mais là, moi, au moins, je kiffe vraiment, tu vois. Il n'y a pas de limite, tu fais ce qui te plaît, en fait.
dans la nature, chemin privé ou dans la nature, tu vois, comme ceux qui vont sur un terrain de cross, et ben voilà, tu kiffes, c'est tout, tu kiffes. C'est un pur régal, c'est un pur régal. Bon ben l'équipe, vous savez quoi, ça sert à rien d'en dire plus. RAS, modèle exceptionnel. Franchement l'équipe, en plus quand tu la rides, elle est safe, elle est légère en main. Franchement, quand tu es dessus, elle est très légère en main. Elle est stable, elle a un peu tout, elle a le guidon bien haut comme j'aime. Pour moi, c'est nickel. Voilà, pour moi, c'est nickel. Il n'y a que le système de gâchette, que moi, je suis moins typé quad, c'est trop réactif et tout. Et puis, j'aime bien avoir... Moi, en fait, là, comme ça, tu vois, j'aime bien... Si j'avais un défaut à lui dire, voilà, c'est ça. Mais uniquement pour ma part, parce qu'il y en a plein d'autres qui préfèrent justement le type quad. Après, c'est chacun ses goûts et ses couleurs. Mais moi, c'est vrai que j'aurais préféré un truc index ou carrément une poignée d'accélérateur. Moi, j'adore, hein, comme les motos. Mais voilà, c'est... Tout le reste, c'est... Tu n'as rien à dire sur le produit, gros. Tu n'as rien à dire. C'est la bombe. C'est la bombe. Béquille qu'il faut, bien costaud. Puis cette couleur-là, noir mat, moi, j'adore. Hein, j'adore. Hein. Allez, c'est parti l'équipe. Boubou, la reprise. Pète un plan carrément. Bon, bon belle équipe. Nous voici venus, l'heure du débrief comme d'habitude. Quoi vous dire sur cette petite merveille, il faut le dire, il faut le dire. Je comprends pourquoi c'est le best-seller de chez Nami. Parce qu'elle est vraiment bonne à tout faire. Ça reste une trotte compacte, qui a la patate, qui est silencieuse, qui a du couple, qui a de l'autonomie. Tu vois ce que je veux te dire? Elle a vraiment plein de qualités. Après, c'est sûr, il y aura toujours un défaut sur une trotte. La trotte parfaite n'existe pas. Comme la voiture parfaite, comme la moto parfaite, hein, il y aura toujours un petit truc. Mais franchement, l'équipe, elle est pas très loin quand même de la trotte parfaite. Elle est pas très loin. Moi, franchement, j'ai rien à dire sur ce produit. RAS, vous savez, j'adore Nami. Et j'ai toujours aimé ce qu'ils font. Franchement, Michael Shah, il est très fort pour ça. C'est un très bon ingénieur. Et moi, j'aime pour leur fiabilité, leur design. C'est les seuls à faire ça, tu vois. Toujours noir mat, la Batmobile, quoi. Et surtout, que franchement, elle remplit tellement de caractéristiques. Toutes les Nami. Pour moi, c'est toujours pareil de toute façon. C'est le fameux triangle, les trois, tu vois. Tu as Nami, Dualtron, Tevren en ce moment, les trottes du moment, hein, je parle. Après, Tevren, c'est une nouvelle marque, mais qui se vend énormément, qui marche énormément en ce moment-là. En ce moment. Mais Dualtron, on sait très bien que c'est pour nous, c'est les premiers qui ont sorti les trottes puissantes et tout, c'est les premiers. Et donc ça restera toujours un peu, on va dire, la marque Dualtron, quoi, un peu les leaders, on va dire. Mais Nami, franchement, gros, niveau fiabilité, qualité, etc., etc., c'est du très très lourd. Franchement, c'est du très très lourd. Honnêtement, moi, comme défaut, mis à part, et c'est à titre perso, parce qu'il y en a qui adorent en plus, il y en a qui aiment moins, c'est juste la gâchette d'accélération type quad que moi je préfère à l'index ou à l'accélérateur, parce que souvent, tu sais, moi je conduis tout le temps les mains donc légèrement pliées, mais sur les doigts sur les freins, et quand j'accélère des fois je sais pas pourquoi ça me fait freiner. C'est vraiment un ressenti de ma part, pour ma part, hein. Il y en a plein qui me disent ah non, moi c'est l'inverse et tout. Il y a ça et le fait que ça soit tellement réactif, parce que c'est des courses. C'est pas le temps de latence, je parle, hein. C'est pas la réactivité de la latence. C'est parce que ça part cash, Dualtron ça part cash, mais je veux dire là, c'est limite comme la course, tu vois, elle est tellement la course de la gâchette, à peine, c'est ultra sensible en fait, à peine tu appuies, alors quand tu as l'habitude comme moi, ça va, tu arrives après, quand tu es habitué à appuyer tout doucement pour qu'elle parte tout doucement. Mais tu vois, par exemple, il y a plein de personnes, des fois, ils me disent « Oh, tu me fais tester ta trotte ?» Je dis « Ouais, fais gaffe et tout, parce que gâchette type quad comme ça, ça surprend quand même. »« Ah ouais, non, mais t'inquiète et tout. » Et des coups de part, tu sais, ils partent en arrière et tout. « Oh, ah ouais, putain, je m'attendais pas à ça et tout. » Eh oui, gros, eh oui. C'est
quand tu n'as pas l'habitude et tout, c'est vachement surprenant. Parce que c'est, tu as la course qui est vachement, qui est très rapide, quoi, à peine, qui est très sensible. Et moi, je préfère le type Index. Mais gros, après, c'est vraiment chipoté. Mais voilà, si je devrais lui trouver un défaut, parce qu'après, le reste, gros, elle est bonne à tout faire, elle a de l'autonomie. Il n'y a rien à dire sur le produit, gros. Il n'y a rien à dire sur le produit. En plus, c'est ça que j'ai oublié de vous parler aussi dans l'intro. Dans la présentation du produit, c'est que j'ai eu Cédric, donc le patron du ride, hein, qui est d'ailleurs Nami France, hein, il faut le dire, et qui a vu ma vidéo sur la Superstellar. Et comme par hasard, vous avez vu ce que je vous ai dit dans la vidéo, je vous ai dit, ouais, il y a ça qui va pas. Et mes connaissants Nami, ils vont soit faire un upgrade, soit une V2, etc., etc., parce qu'en général, ils sont très réactifs. Et quoi? Je me suis pas trompé, gros. La vidéo, elle est sortie. Le lendemain, j'ai eu Cédric au téléphone. Il m'a dit, ouais, bien la vidéo et tout. Mais les trois défauts que tu as cités, comme par hasard, c'est dommage qu'on ne s'est pas eu avant et tout, juste avant que tu tournes la vidéo. Parce qu'on est déjà, ils étaient déjà, gros, en train de changer le système de suspension. C'est-à-dire que là, à la rentrée, quand elle va sortir, elle aura déjà changé. C'est-à-dire qu'il m'a dit, comme par hasard, tous les critiques que tu as faites sur la Superstellar, c'est-à-dire le point d'attache et les suspensions, apparemment, ça va être revu. Donc, c'est en train déjà d'être revu, pardon. Donc, ça va être changé, carrément. Donc, s'ils me mettent les suspensions comme ça à molette, je t'explique pas, c'est cerise sur le ghetto, Kiki. Mais, truc de fou. Tu vois, pour te dire, c'est bien ce que je pensais, qu'ils allaient être quand même réactifs à certains petits détails, et ils l'ont fait. Et normalement, donc il me languit, j'espère la recevoir une fois complètement terminée, parce que moi c'était un sample hein, que j'avais eu, complètement terminé, pour que je confirme ou pas si effectivement ça a été changé, que c'est bien mieux ou pas. Mais je me fais pas de soucis pour Nami. Mais voilà, petit aparté déjà pour ce que m'a dit Cédric, ça confirme que Nami ne dorme pas, et ça c'est cool. De toute façon, j'ai... Connaissant Michael Chat, il dort pas du tout ce mec. Ce qui est terrible aussi sur le site maintenant e-ride, c'est qu'ils ont ouvert aux particuliers et tu vas pouvoir upgrader ta trotte comme la Superstellar. C'est-à-dire comme les derniers modèles qui sont en train de sortir de Nami. Mettre le système de clé NFC, le système de badge NFC, soit que ça, soit que les clignotants, soit que les veilleuses qui font office de clignotants aussi, soit les deux en même temps. Et ça, c'est vachement terrible. Surtout que maintenant, c'est pas que les pros et c'est les particuliers. Tu veux changer un moteur et tout. Franchement, c'est la bombe. C'est la bombe. C'est la bombe. Franchement, je peux pas vous en dire plus parce que il n'y a rien à dire. Il y a RAS sur la trotte. C'est du Nami. On connaît. C'est qualitatif. C'est de la trotte. Voilà. Ils ont mis en place d'ailleurs le code CRAM2DIS. C'est-à-dire vous avez 10% sur la trotte parce qu'elle fait quand même 3 000 €, hein, 2990. Donc ça fait quand même 300 € de remise, mais attention uniquement pour les 15 premiers en précommande. Et valable aussi sur la Stellar, etc. Après, ne me contactez pas en me disant « Ouais, le code, il marche pas et tout. » Si tu feras partie du 16e ou du 17e, ben, effectivement, le code ne marchera plus. Tout simplement. Voilà l'équipe. Je pense vous avoir tout dit, en tout cas, sur le produit. C'est du kiff, c'est du kiff, c'est du kiff. C'est une trotte bonne à tout faire. Il n'y a rien à dire. Un grand merci aussi à e-ride pour l'envoi de la trotte et leur confiance, comme d'habitude. Hein. Et sur ce, l'équipe, on ne vous oublie pas. Un énorme merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne car vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir, l'équipe. Et voilà, l'équipe. Sur ce, boutique en ligne, crame tout, bébé. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vous laisse la team. Et on arrache tout, hein, tu le sais, un ami. Allez, peace la team. Et merci, Ride. C'est pas grave. C'est la bûche, mon cousin. Allez, peace la team, on arrache tout. Fouah. Élève-toi du milieu, laisse passer le monstre. Aïe, oula. Mais c'est la bûche, mon cousin. C'est la bûche, mon cousin!